Oui, c'est vrai, d'ailleurs, le RPZ2, il est finalement enterré, du coup. Franchement, je crois pas. Hein. Juste que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, et puis on verra, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu pour le moment, mais ça a toujours été dit qu'il y en aura un deuxième. Mais c'est pas moi qui organise, hein, c'est Zerator, donc... Donc allez lui demander à lui, hein. On veut le retour de Donna. Ah, bah, alors, par contre, s'il y a RPZ2, ce sera pas Donna, hein. Donna, c'est finito, hein. Ça, vous pensez que vous voulez voir ça, mais en fait, vous voulez pas voir ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de frais, hein. Ah non, c'est pas triste, hein. Ce qui serait triste, ça serait que je reprenne exactement la même chose en boucle, bah, en me disant « Ah ouais, ça, les gens, ils ont bien aimé, alors vas-y, on va leur redonner ça. » Ce serait de la merde de fou. Ce serait de la giga merde. Vous croyez que vous voulez voir ça, mais en fait, vous voulez pas voir ça. Hein. Oui, ça va ruiner tout le truc de base, ça ruinerait la fin, ça ruinerait tout. Ouais. Déjà, c'était un peu cool de faire le petit comeback là chez Alex Click il y a quelques mois, mais en vrai, je me disais quand même « Ah, j'aimais trop la fin qu'on avait fait, en fait. » Je me disais, c'est un peu dommage de revoir ces personnages, même si ça faisait quand même plaisir, mais c'était... Je me disais... Du coup, ça retire un petit peu de la saveur du truc. Puis même, en fait, il faut juste un nouveau personnage, il faut des nouveaux trucs, en fait, il faut toujours se renouveler un petit peu. En fait, si tu te bases tout le temps sur les trucs que t'as fait auparavant, bah, au final, tu crées rien de vraiment de nouveau et tu te bases uniquement sur les trucs qui ont eu du succès auparavant. Je trouve que ça fait genre... Ah, t'as peur que ça ait moins de succès et du coup, bah, tu réutilises toujours la même chose en boucle et... Je sais pas, je trouve pas ça très intéressant, ni très, très inventif. Il y a un genre de perso qui t'attire sans spoil. Franchement, je sais pas trop. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux pas y tout faire un truc qui est un peu comme on avait fait avec Donatien et... en tout cas, s'il y a un RPZ2, je veux pas y tout faire un Donatien 2, on va dire. Même si c'est pas le même personnage, je veux pas qu'il ait le même caractère, je veux pas qu'il ait la même façon d'être, la même façon de réfléchir et tout, je veux pas que ce soit pareil.